Il n'y est pas tout le monde, alors je ne peux pas parler très fort, voilà, mais aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser au thème vie et relations amoureuses. Avons-nous vraiment en fait le pouvoir d'influencer par notre volonté en fait le sens que l'on donne à nos relations amoureuses? Alors je dirais oui et non. Déjà le sentiment de relation amoureuse est quelque chose et une interprétation tout à fait déjà subjective. Donc déjà dans la façon de l'influencer, je dirais que c'est complètement subjectif et ça dépend de votre interprétation des choses. Mais je pense que oui, il y a des leviers d'influence qui sont effectivement la prise de conscience et la volonté de vouloir influencer. Alors on peut influencer dans une volonté de parfaire la relation ou on peut influencer inconsciemment sans avoir la volonté de mal faire, mais inconsciemment, oui, on peut influencer la relation de manière négative. Alors, comment on sait quand on influence la relation de manière positive ou négative? Ben, en définitive, on va essayer de faire un recentrage, on va essayer de se vider de sa part émotionnelle et on va essayer d'être rationnel sur notre l'impact de l'influence qu'on peut avoir sur une relation amoureuse. Et bien sûr, je vous incite à essayer de mettre en place une influence qu'on va dire plutôt positive. Pourquoi mettre en place une influence positive? Parce que quand vous mettez en place une influence positive dans la relation amoureuse, en fait, tout simplement, dans cette relation, vous allez... Oh putain! Alors, je reprends la petite présentation. Je vous prie de m'excuser. Yepa parle beaucoup, mais elle parle aussi beaucoup aux autres. Donc voilà. J'ai été un peu interrompue. Donc, je reprends. Avons-nous le pouvoir d'influencer? Donc, j'ai dit oui et non. Voilà. Influencer, ça vise à comprendre en fait que consciemment, on a besoin de rétablir l'équilibre. Donc, comment on fait pour rétablir ce point d'équilibre? Est-ce qu'on met en place plutôt un influenceur positif ou un influenceur négatif? Voilà. Donc, oui, on a le pouvoir d'influencer. Et je pense que le levier de l'influence, ça peut être la volonté de manière consciente, mais il y a également beaucoup d'éléments, on va dire, inconscients qui sont des influenceurs. Et donc, comme je vous l'explique, vous n'avez pas potentiellement connaissance. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yep.